YouTube. Pas de urbex. On vient de découvrir un château assez typique. Oh, qu'il est... dedans, c'est fou. Il est tout rose. Je suis accompagné de Tropic Urbex et Urbex Péripéties. Je vous mettrai le lien vers leur Instagram dans la description de la vidéo. On est vraiment sur un château impressionnant. Il est impressionnant. Donc à voir un petit peu ce qu'on a vu dans les fenêtres, t'as l'impression que c'était plutôt une ancienne colonie ou un camp de vacances. J'essaie de vous montrer. Là, je vois rien du tout. C'est... Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'intéressant en fait. Ah si, un vieux... un vieil ordinateur. C'est bizarre en fait. On a le frigo ouvert. Pain. Ah oui, je crois qu'il y a. Il y a une alarme. Les gars, il y a une alarme. Il y a une alarme. Il y a une alarme, il y a un boîtier d'alarme. Ah mais là, c'est déjà cassé, là. Mec, c'est tagué à l'intérieur. Hein. Et c'est bizarre, il y a le courant, parce que t'as le four, il clignote. De toute façon, on a rien cassé, vous êtes témoin. On aurait dû filmer avant, quand même. Ah oui, d'accord, donc il y a une entrée là-haut. Tu peux ouvrir le volet du coup? Ouais. Il coince? Il coince. On se retrouve devant le château, je suis toujours à l'extérieur. En fait, il y a Tropic qui a réussi à rentrer. Regardez. Ouais. Juste voir si effectivement il y a une alarme parce que. Le boîtier a l'air éteint en fait. Mais il y a du courant. Donc on va essayer. Je fais le tour et on se retrouve dedans. Bon bah il y a bien une alarme. C'est fermé. Casse les couilles, putain.